là-dessus, poteau. Faut pas avoir honte, hein. Je vais vous montrer mon build, les amis. Je vais vous montrer mon build. Donc, je vais jouer avec le nouvel augmente de Ildrin. D'accord. Le build est ici. Donc là, je vais pouvoir strip en continu. Je joue avec Bourrasque de l'Égide. L'augmente du 4, du coup, je vais avoir un tir secondaire sur le 1. Incandescence, un tir alternatif pendant Tempête de l'Égide. L'explosion inflige 15% des boucliers max d'Ildrin en dégâts supplémentaires. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. On avait préparé un build pour... On n'est pas obligé de mettre le truc de radiation, il m'a dit le frérot. Le frérot. On va le foutre en full élec. On est en full élec. Qu'est-ce que je pourrais ajouter qui pourrait augmenter un petit peu mes dégâts? Un truc qui pourrait augmenter mes dégâts. Qui se met en polarité entrée. Un truc en polarité entrée. Pop, pop, pop. Ah, de la cadence. La cadence. Et oui, la cadence peut être utilisée, mais par contre, ça consomme beaucoup plus de boucliers. Donc il va falloir faire très attention. On a perdu quelqu'un, on a perdu Miu Beru. Ouais, pas de soucis, Miu Beru. J'ai un invité. Bonjour à Onyx Corvin, hein. Bonjour à toi mon copain. Alors attendez, hein, je lis en même temps vos messages. Je vais jouer en arme principale. De toute façon, je vais pas les utiliser mes armes. Je vais prendre le Kaelor. Kaelor. Axe Stiletto. Et... Ouais, Lyocor Sinoïde. Je vais pas en avoir besoin. Mais on va préparer les bulles quand même. Kaelor, Axe Stiletto. Et... Heliocor. Kaelor. Axe Stiletto. Et Heliocor. Heliocor Sinoïde. Et on va le jouer avec son augmente. Si on doit mettre un petit coup de mêlée, ça nous sera bénéfique. Alors je vais recopier mon build juste pour avoir la base. Je veux juste avoir la base. Je le mets en B. Vous allez voir un peu comment je vais m'y prendre. Ensuite. Antifaction murmure. Donc là, étant donné que je vais strip à chaque fois. Les copains, je n'ai pas besoin de jouer autre chose que full élec. Jouer full électrique. Voilà. La cadence est très très bien ici. Bon, j'ai qu'une polarité en V pour pouvoir caler ma cadence. Je vais pas jouer implacable, je vais jouer plutôt impitoyable. Comme ça on galère pas à essayer de chercher les têtes. On a la flemme, on va pas faire un level cap, on s'en fout. Du coup, on a dit Sharpie, vu que j'ai qu'une polarité entrée, vu que je peux quand même caler un Exilus, je vais mettre Ressource du Vigile qui me permettra de rehausser mon crit de temps en temps. On va passer ensuite sur l'Axe Stiletto. Ah bah vas-y, ça marche, Ipav. On le fait juste après. On le fera juste après. Axe Stiletto, on va faire pareil. Je récupère la base que je mets en B. Ok. Alors j'ai un petit Riven dessus. J'ai multishot, cadence, chance de crit, moins munitions max, c'est très bien. J'enlève les éléments. Multishot, ici on met l'antifac murmure. Qui augmente considérablement les dégâts. Chance de crit... chance de crit, dégâts crit, on va les mettre. Voilà. On enlève le mode de feu. On prend les deux modes électriques. Elec, elec. J'ai de la bonne stat. Par contre, on va pas jouer avec Flame Cascadia. On va jouer avec tension de conjonction. Sur un effet de statut électrique, plus de vitesse de recharge, plus de tirs multiples, cumulable jusqu'à 40 fois. Très très bien ça. Alors par contre, je n'ai plus de base damage. Je n'ai plus de base damage, donc je dois remplacer mon secousse ici présent par nuée d'art.
Et là, on est bon. Ensuite, l'héliocore sinoïde. Bon, le build était pourri, donc on va construire par-dessus. On enlève le mode de poison, je mets surcharge d'état, fury, atteinte, coup de sang, fracas d'organe là-bas. Je vais le jouer en light attack, donc du coup je vais ajouter blessure suintante. Le mode électrique en 60-60, parce que c'est la base. Je mets évidemment influence en mêlée, comme ça quand je casse la gueule à un mec, je casse la gueule à beaucoup d'autres mecs. Et on finit avec élémentaliste. Élémentaliste comme ça. Hein. Et je pense qu'on est bien. Étant donné que je n'ai plus la place pour mettre autre chose, acier galvanisé remplacera mon fracas d'organes. Et je n'ai pas besoin de mettre le réflexe, parce que là, de toute façon, c'est un setup. C'est un setup mêlé. Je suis en Vazarin. En compagnon, je vais prendre Wyrm Verglas, parce que c'est très très bien. Verglas. Par contre... Ah oui, c'est celui-là. Là, je suis en Corrosive Glace. On me dégage tout ça, là. Hein. On va foutre en Full Elec. Parce que de toute façon, je vais strip tout le temps. Full électrique, on enlève le poison. Ah oui, ça fait de la glace. Viral. Viral élec. Viral élec, comme ça, ça passe. Ça va prendre... ça va monopoliser la glace sur le poison, donc du coup, ça va faire du viral. Et j'aurai de l'électrique, j'ai mon antifaction ici. Dégâts, tir multiple, cadence, ok. Bah du coup j'ai pas besoin de mettre le mode de cadence. Qu'est-ce que je peux mettre? Tir multiple. Ah il faut jouer crit normalement. Dégâts crit ici, donc je vais mettre le mode de chance de crit. Chance de crit, délai critique. Ah! J'étais sur le normal. J'étais sur le normal. Ah, il y a une prédit. Attends, c'est quoi la prédit? Combien de taux forge? 0, 1, 2 et plus. Allez, courage! j'espère les deux taux forge. Ah, j'espère les deux taux forge. Mais j'ai pas de chance en ce moment, les gars. J'ai plus tendance à... la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine encore avant, 0 taux forge. Viral. Viral Elec. Et je remplace le mode de cadence. Je le remplace par mon Even. Voilà. Le petit Wyrm. Il me rendra aussi du bouclier de temps en temps. Je pense qu'on est bon. Je vais juste rechecker un dernier truc. C'est mon arme. Juste m'assurer que mon arme est bien. Prier Eren Jesus, et oui! Oui. Allez, je pense qu'on est bon. Je choisis mes malus. Pouvoir abrégé réduction de 50% de la durée des pouvoirs. Tous les pouvoirs sont désactivés jusqu'à l'élimination de 50 ennemis. Réduction de 50% de la durée des pouvoirs. Mais mon 4, il est infini, non? Ça va juste consommer beaucoup d'énergie. Ouais, je suis obligé d'enlever ça là. Ça me fait chier, j'ai pas de Vazarin. J'ai pas de Vazarin, mais tant pis. Tant pis. Normalement, je suis pas censé en avoir besoin. Si je strip correctement, je fais correctement mon 2, ça devrait le faire. Je risque d'en chier. Pourquoi il manque beaucoup là? Oh, mais merde. C'est le contraire. Ça, je désactive et j'active ça. Bah oui, pardon. Merci mon DeepSide. Bonjour à Volcan. Volcan qui est parmi nous, incroyable. T'es beau mon Volcan. Merci pour ton message. Et bon appétit. Y a pas de souci mon copain. Bonjour à Nili Lolgaga aussi qui est là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, tous ceux qui nous ont rejoints. Débloqué, allez on y va. Oui. Commencez la recherche. Allez, on peut y aller. Ah! Attendez, c'est bugué parce que on avait déjà lancé, attendez, on va recréer le groupe les gars,
Parce que le frérot, il est venu après, et c'est possible que ça bug. C'est possible que ça bug, les potes, donc on va tout recommencer. Tac. Commencer la recherche. Voilà, je vous laisse inscrire ce que vous voulez. Amiouberou, il pouvait pas activer. Bonjour à Tief, salut à toi. Ah ouais, ça a une furt? Comment ça? T'as mis 30 000 divside, merci. C'est parti. Et on commence avec... c'est une survie. C'est une survie, c'est ça? Ah non, c'est... ok. Ça va être une pertu. Allez, on casse la gueule à tout le monde. Ramassez les clés, les gars. Vous inquiétez pas, comptez sur moi pour défoncer du mob. Ah. C'est très très fort, les copains. Ildrin, extrêmement fort. Ah, Newberry est tombé. On le ramasse, le poteau. Laisse ramasser la clé, il y a une orange et aussi qui était tombée tout à l'heure. Oh, attendez. Vu que je peux pas passer en Théno. Il y a la orange qui a été lancée là-bas, on va y aller en deux spi. Allez, venez les potes, venez mettre les clés. Je me re-shield pas là. Wouhou! Snickety snack, guess who's back? Avant j'étais ignorant, maintenant grâce à toi, Warframe c'est simple. Tief! C'est bon à savoir, mon poteau, je suis très content pour toi. Je suis très content pour toi. GG à toi en tout cas. Tu gères de fou. Non. J'en chie un petit peu. En fait, vu que j'ai une immense baisse de durée, je me fais savater comme Jaja. Putain, les deux ont échoué. Ça va le faire, les gars. Ça va juste être un petit peu plus long. Je vais pas trop compter sur mon 4 parce que sinon c'est beaucoup trop lent. Parfait, on lance une prochaine clé. J'essaie de strip tout ce que je peux.
Allez, on lui casse sa gueule. Ça dégage. Ça y est, c'est bon, on a pris le pli. On a pris le rythme. Ok. Bonjour à Gioco, salut Panda, ça va? Moi je viens de rompre avec ma config dans bof, je pars dans le sud et elle peut pas tenir la distance donc j'ai rompu maintenant avant de déménager. Oh, je suis très triste pour toi mon Gioco. T'es extrêmement triste, j'imagine que tu es jeune. J'imagine que tu es jeune. Et malheureusement ça c'est quand on est jeune, on a tous connu cette situation là. Hein. On est énormément à l'avoir connu quoi. Malheureusement, c'est peut-être partir pour mieux se retrouver, hein, poteau. Hein. Quand c'est pour cette raison-là, tu vois, ça peut faire un déclic. C'est une des raisons de rupture qu'on s'autorise de pouvoir revenir avec l'autre. Mais bon, faut essayer de refaire sa vie quand même et se laisser porter un peu par le futur. Hein. C'est triste. Je suis très triste pour toi mon poteau, mais je t'envoie un maximum de force. Ouais ouais. Si t'as pas le choix de bouger en plus, il faut y aller. Hein. Il faut y aller poteau. Ah c'est pas de votre faute. Hein. C'est pas de votre faute, c'est le destin qui décide. Moi je suis très... Je suis très à l'écoute du destin. Ce qu'il me dit sur ma vie, tout ça, je l'écoute beaucoup. Oh, attendez, on va les faire vite fait... Vu qu'il est ici. Ok. J'ai toujours la blanche. Allez, venez les petits potes. Il est où? Ah c'est là-bas. Oh, comment il a rushé? T'es trop pressé toi hein. Allez ça dégage. Bonjour à Spitor, bonjour à Tushi, bonjour à Danny Prime. Ce serait quoi le meilleur stat pour un Even Burston? Le top hein. Écoute, j'ai eu la chance une fois d'avoir entre les mains un Even Burston. Avec damage, crit chance, crit damage, sans multishot, c'est une folie. C'est trop fort. Bon, de base, j'aurais plutôt dit... Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le vide, moi. On n'a pas de clé qui tombe là? Ça veut pas tomber. Allez, on va aller le chercher. Ah, il est par là-bas. Ça fait bien mal. GG les potes. Allez, plus que 2 points. Donnez-nous des clés.
J'ai la bleue qui vient de pop, les gars. Peut-être là-bas. Moi j'ai un bug avec le Necramel qui était quasiment mort. Du coup il a disparu, il a explosé le pod. Ah ouais? Genre il s'est passé en mode invisible quoi. Ils l'ont tué sans moi. On va mettre la blanche. Mais la blanche les potes hein. Bien joué. Allez, on peut sortir. On peut sortir. Ah, tu m'étonnes, Ousbepe. Oh, première Tauforge. Bon, c'est une bleue, hein. Ça devrait même pas compter les bleus. Bonjour à Gadnail, salut à toi. Bonjour tout le monde. Non, le truc des netras qui prennent plus de temps, poteau, c'est un vrai truc. Même moi, je l'ai. Même moi, je te jure, je l'ai. Il y a un vrai problème avec les netracelles. Il y a un vrai souci. Les ennemis, ils viennent pas. J'espère qu'on a un défensif, les potes, parce que... Là, c'est cancer, hein. Là où on est là, c'est cancer, hein. Les Netrazel, je sais pas si vous avez remarqué les potes, mais ça prend énormément de temps, les ennemis ils viennent pas, même si les 4 on est au milieu du point et tout, on attend. On fait que attendre, il y a 3 ennemis qui viennent, ils viennent tous par 3 quoi. C'est invivable. Ouais, si on a vu, je l'ai même mis sur le résumé guide. J'ai mis maintenant, vous pouvez acheter des phosphores directement dans les syndicats. Il a pris du cachou, hein. Au pire, je me mets pas en l'air. Ça consomme beaucoup trop, vu qu'en fait la durée est divisée par deux, ça augmente la consommation de shield.
Ça me coûte plus de shield par seconde. Et du coup je souffre beaucoup plus. Que ça la diminue pour mon 2, c'est pas trop grave. Au contraire. Si t'as déco reco et que t'arrives pas à inviter quelqu'un dans ton dojo réel chichui, c'est que c'est pas ta faute poto, c'est que c'est la sienne. Il reste dans les couloirs au loin, du coup il mint de mag et on les ramène. Ah ça c'est pas mauvais ça. L'idée est pas mauvaise poto. Les mines de mag pour compenser le truc, ouais mais même le temps qu'ils arrivent dans la salle c'est compliqué. Si t'as pas une Nova Speed, même avec une Nova Speed c'est chaud. Hein. Nova Speed ça règle pas le problème. Dommage que j'ai pas mon 3, ça aurait été très intéressant pour le coup. Oh, il va exploser les gars. Il va exploser, c'est trop chaud. On n'a pas de défensif. Qu'est-ce que j'avais qui était proposé qui serait peut-être un défensif? C'est trop tard je pense. Il va sauter. À moins que on gère là. Ah ouais, il prend trop cher. Il n'y a que des ennemis bloqués partout, je sais pas pourquoi. Quel enfer cette mission à chaque fois. Il reste 11 secondes. Ah c'est vrai que les gars on peut mettre les... On peut mettre des crewmates. Mettez des crewmates. Mettez des crewmates. Allez c'est parti. Alors on va tenir le coup, on va tenir le coup, on est des bonhommes. Ici il a plein de PV, c'est censé tenir. Il est quasiment full. Ok, ça tient, ça tient. On va juste en chier pour le prochain et ça passe. Ah, il y a l'assassinat cette semaine. Ah ouais. C'est trop. J'aurai jamais d'avance qu'est-ce qu'il y a comme mission. Je me laisse toujours la surprise. Ah c'est Xaku, ok, c'est pour le strip, ok. Le strip de zone.
Ça a l'air de tenir. Dream Team, zéro défensif les gars. On n'a rien pour défendre le pod et il tient. GG les gars, franchement vous êtes bons. Même si on lose, franchement même si on lose, vous étiez bons là. Vous étiez très très bons. Va falloir partir direct, hein. dès qu'il y a l'annonce là, vous attrapez même pas les points où que ce soit. Hein. Ok, allez, courez, courez. Courez les gars, courez vite. Allez, on speed. On speed de ouf, mettez des spectres, mettez tout ce que vous pouvez. Il faut pas qu'il y en ait un seul qui s'approche. Faut que les compagnons ils mitraillent, tout le monde mitraille. Allez, on a 20 000 PV, on fait avec. Mais, ah oui, il est bloqué. Le problème, attention, c'est qu'ils peuvent nous voir de très très loin ici. Ils peuvent commencer à cachouter de très 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 loin. Il faut tenir une 42. On peut le faire. S'il y a quelqu'un qui a le Vazarin et qu'il essaye de voir si on peut pas le remonter en PV, le... Oh putain, 7000. 5000. Ah, c'est trop. Crewmate, tout les gars, tout, faut tout mettre. 1800. 100 PV. Ah, c'est trop. Ah, il a pris 10 000. Et il restait 100 PV au truc. C'est trop les gars, c'est trop. Ah les gars, on n'a jamais vu une game aussi chaude. Hein. Là si on lose, vraiment... Trente secondes qui restent les pattes. On va le faire. On va le faire. S'il vous plaît, le jeu. 18 secondes. S'il te plaît, le jeu. S'il te plaît. Hey, il est tombé à 100 PV les gars. 100 PV. 100 les gars, incroyable. Yo Hendrix, yo Big 20 Cent, yo Boosté. Bonjour Alilo. Moi j'ai cru que c'était fini. Hein. Salut Alilo. J'ai cru que c'était fini. Hein. On était terminado, hein, la goutte de sueur. Ah ouais, je te jure. heureusement que j'ai la meilleure team de Warframe. Ah, vous êtes vraiment des rois. Par contre, le jeu il nous file que des bleus. Hein. Vraiment la récompense nulle. Hein. Là, on méritait des taux forges. On méritait largement des taux forges. Les yeux.
Ok. C'est la partie facile, ça. Non, mais le boss, c'est simple. Le boss, ça va. Pas le truc le plus méchant, le boss. Faut lui trouver un point, il y en a un ici. On va mettre un autre au-dessus. Tac. Non mais... C'est trop. Ok, on a tout. Ça va se réactiver. Ah, faut y aller. Il manque 8 yeux et c'est fini. Ah dommage. Deux yeux les gars, c'est terminé. Allez go sur le boss. Go 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 sur le boss. Je sais pas si je peux bien le foudroyer avec Ildrin. Je crois qu'ils ont pas de shield ni quoi que ce soit les mobs qui pop. Je vais pas vous être d'une très grande utilité les gars. Je peux rien leur enlever les mobs. Je vais essayer de faire du damage, mais je pourrais pas faire mieux. Canard dans tous les sens. Ah, je peux rien leur enlever.
Pour mon défensif, je compte que sur toi. Je crois qu'il y a un Dante dans le groupe ou un truc comme ça. Hein. Je compte que sur toi, poteau. Ils ont enlevé la limitation de dégâts qu'ils ont mis sur lui. On pourrait même aller jusqu'à trouver le moyen de le one shot. Mais non seulement ils ont mis une limitation de dégâts, mais ils en ont mis une deuxième. Double limitation de dégâts. Bonjour, je reviens sur le jeu. Après plusieurs mois de pause, quelqu'un saurait me dire les reliques à farm pour les plates. Là, les reliques à farm pour les plates, poto, c'est le Prime Access. Hein, le Prime Access. Nova. Nova, Glaive, tout ça, ça rapporte. Mais surtout Nova, là. Nova, elle a pris un gros step up et son prix est anormalement haut pour un truc qui se farm juste avec de l'IA. Donc quand tu vas sur Résurgence dans le marché de ton vaisseau, tu regardes les reliques de Nova, Nova Trin. Tu vas faire des reliques de Trinity par la même occasion, donc Trinity dans tous les cas ça se vend. Mais là si tu veux faire 1000 plates dans la journée en 2 spi, Nova. Nova. Wouhou ! Snickety snack. Imcho, salut à toi. Salut Panda Bagarre, Panda Bagarre. Merci à toi pour le soutien, merci pour la force mon poteau, merci. Merci pour ton 27e mois d'abonnement, c'est adorable mon Imcho. Comment tu vas mon copain, est-ce que tout va bien pour toi? Là le Dante il nous met trop bien hein. Je sais pas si c'est un Dante ou un Frost ou quoi, attendez. Moi c'est Dante. Le Dante il nous simplifie la vie. Le Xaku il s'occupe de tuer tous les mobs qui sont autour là. Bonjour à Like Spoiler, bonjour à Mest, salut en direct de la gare. Mon train encore plus violent, nerf le build des Vislam, cancel le Wukong. Allez retard des trains. Courage à vos potos. On est avec toi. Bonjour à Ghost DVX, comment tu vas copain? Allez, une bonne chose de faite. Allez, deux Tauforge. Deux jaunes. Les gars, deux jaunes Tauforge. J'en ai marre à chaque fois de dire ça et d'avoir... Non, deux duplicates. Le jeu, est-ce que tu peux me donner deux duplicates? À chaque fois, il me file deux duplicates. J'en ai marre des duplicates.
De duplication. Je crois qu'on a fait deux taux forges quand même. C'est triste, hein? Deux taux forges quand même, les gars. Les gars, deux taux forges bleus. Les gars, trop. Ça, c'est vraiment un des Archimédés les plus pourris qu'on ait fait. Merci, mon Atarios. Merci, mon Biuberu. Merci à mon Crumble. Deux taux forges bleus dont on n'en a rien à foutre. Une bleue normale. On en a encore plus rien à foutre. Et une crescendo et un adaptateur. J'ai vu tous les mecs là sur le chat qui disaient « Oh, Panda, j'ai eu 5 shards cette semaine, j'ai eu ci, j'ai eu ça, et il y a moi. » J'ai shield comme un sale. Ah ouais, tu nous as sauvé, Miuberu. Attends, Miuberu, t'avais Dante, poteau, t'as dit que t'avais un setup nul. Mais t'es malade, toi. Tu nous as trop carry, hein. Ah mais les gars, tu dis ça, mais en vrai, Miuberu, c'est complètement moi qui me suis fait carry cette semaine. C'est complètement moi. Il y a que moi qui me suis fait carry pendant cette game. Et t'as dit, ah oh là là, vous allez me carry et tout. Ah oh non, non, non. C'est clairement là, Atarios et Crumble, ils nous ont carry comme jamais. Ah ouais, lui, Atarios, il avait revenant Fantasma. C'est un truc de ouf. C'est trop bien. GG à vous tous, hein. GG à vous tous. T'avais dit d'en dropper un max, t'abuses. Ouais, mais écoute, tu crois que j'avais la volonté d'avoir deux bleus taux forges? Tu as cru que j'avais cette volonté? Moi, je voulais deux jaunes taux forgés, hein, poteau. Les gars, plus j'ai des jaunes, plus je suis heureux. Moi, pour moi, la base des bases, c'est les jaunes. Jaune, rapidité de cast. Confort ultime. GG les potes, GG à vous tous. T'as pas le streamer load d'activer. Bah ouais, je voudrais bien le réactiver, mais je sais plus où c'est la touche. Yum. Pendant la Bambi pour une fois. Voilà, gros Bambi. Hein. Voilà, gros Bambi. Hein. Ah non, mais les gars, franchement, là, c'était une game pleine d'émotions. Hein. Les potes, le pod à 100, à 100 PV. Le pod à 100 PV sur la deuxième mission. Moi, pour moi, c'était lose. Bon, et tu sais, quand tu penses que c'est lose, il faut tout donner, tu vois. Moi, pour moi, c'était lose. 100 PV, les gars, il en a 40 000 à la base. 108 PV. Il a tenu, il a gagné 10 000 PV quand il est passé à la phase suivante. Il a pris 10 000 PV, on a pu tenir. Incroyable, cette game, un truc de ouf. Là, ça, normalement, c'est une game à 5 taux forts jaunes. On a eu 0. Le jeu ne nous a pas respecté.